Boum! Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'une bombe vient d'éclater? Non, c'est les Devils qui vous mettent la pâtée. Je fais plus d'un mètre et 75. Vous ouvrez vos jambes à votre cou. C'est à vos risques et périls parce qu'on va vous mettre à genoux. Allez, les Devils! Reprenez la fin, les filles. Regarde, s'il te plaît, dis-moi que tu ne vas pas faire ce que je crois que tu vas faire. Quoi? Être pom-pom girl, c'est classique au lycée. Et c'est bien toi qui voulais qu'on soit normal. C'est pas mal, mais vous devriez le faire plus comme... Oups. Tu rigoles, ces filles-là sont tout sauf normales. Elles sont plus méchantes que nous et on est des vampires quand même. Sarah, j'ai toujours rêvé de devenir pom-pom girl et c'est possible maintenant que je suis canon. Et puis elles n'arrêtent pas de répéter qu'il faut avoir dit mordant pour rentrer dans leur bande. Ouais, mais je crois que tu le prends trop littéralement là. Oh, franchement. Elle manquera à personne, j'en croquerai qu'une seule. Si, elle me manquera. J'ai l'impression qu'on laisse Magneto rejoindre les X-Men. J'imagine que dans votre langage, ça veut dire qu'on a enfermé le loup dans la bergerie. Si vous savez comment l'empêcher de décimer le groupe des petites pestes, je suis preneuse. Tu pourrais t'inscrire aussi? Non, je suis sûre qu'il y a un autre moyen. Waouh, ma zette. Ça va, je ne veux pas vous entendre. Ça va pas si mal. Écoutez, il faut que quelqu'un s'assure qu'Erika ne se jette pas sur les aliments. Je suis la seule personne à pouvoir entrer dans cette tenue. Bien, voyons ce que tu vaux. À toi. Ça va être encore mieux que le film sur l'alien aux trois nénés, je te le promets. Oh, les pom-pom girls, quel don du ciel. Tu sais, Sarah va avoir besoin... d'un coup de main, à mon avis. Mais non, ça va aller. Fais attention, toi. D'avoir une vision. Je sais, mec. Moi aussi. Non, une vraie vision. Avec la chef des pom-pom girls. Et Erika allait la mordre. Vous tu vois, je te l'avais bien dit. Il faut qu'on vienne en aide à ces créatures si innocentes et divinement belles. On recommence. Bon, je t'ai dit qu'elles étaient canons. Ok, on les garde à l'œil, ça peut pas faire de mal. En fait, si, ça peut faire super mal. En plein dans les pompons. Jamais nous parler. On pourrait cacher une caméra ici. Non, il faut infiltrer le groupe. Les approcher en personne. Ok, et comment on est censé faire ça? C'est la pire idée que tu aies eue. Et cette culotte me rentre dans les fesses. Ah, moi je trouve ça confortable. Mon but c'est de sortir avec une fille, pas en être une. Et personne ne va nous prendre pour des filles. Tu rigoles, on est des vraies beautés. Tu as un aîné plus bas que l'autre. Oui. Non mais et alors? Ça marchera pas. Waouh, enchantée, charmante demoiselle. Salut. Moi, c'est Betty. Et elle, c'est... Véronica. Génial. Ce sera plus simple que de vous appeler princesse numéro 1 et princesse numéro 2. Allez, on se voit plus tard, d'accord? D'accord. Ciao. Alors, d'accord, t'avais raison. On peut tenter le coup. Mais c'est pour sauver les pom-pom girls. T'es une brave fille. On y croit.
Et on jette la jambe droite. C'est bon, tout le monde là? J'arrive toujours pas à y croire. Il y avait 40 filles et on les a toutes battues. Rien de tel que mon sort préféré que j'appelle « Prends-toi les pieds dans le tapis ». Qu'est-ce que t'as dit? Tu croyais vraiment qu'on était meilleurs que ces nanas? J'en sais rien, je trouvais juste que j'avais assuré au saut perdu. Betty, Véronica, vous voulez vous joindre à nous, peut-être? Oh, oui, bien sûr. En place, vous allez former un cercle. Allez, donnez-moi tout ce que vous avez. Go! Maintenant, direction les douches. C'est pas pour dire, mais ça sent le bouc. Eh ben, la reine Borg est sympa à côté d'elle. Benny, j'ai eu une autre vision. On est mal, je crois qu'Erika va boire le sang de tout le monde. Il faut qu'on prévienne Sarah. Mais les filles prennent leur douche. Oui, mais il y a des vies en jeu. Ethan, c'est un cas de force majeure. On peut pas rester à rien faire, si. Ben non, ça serait irresponsable. Salut, je voulais juste me redonner un petit coup de brosse. L'humidité, ça fait frisoter, mais... Merci, c'est bon. Gardez vos excuses à la noix pour les autres. J'arrive pas à croire que vous avez... Non, écoute, c'est sérieux. Il faut que tu gardes ça pour toi, c'est important. Je viens d'avoir une horrible vision. Je te le fais pas dire. Je vais être obligée de me désinfecter les yeux à l'alcool. Vous inquiétez pas, je surveille Erika. Allez répéter votre choré et ensuite prenez une douche froide. Si tu insistes... Je vous pas là. Désolé. J'imaginais pas que les chorés des pom-pom girls étaient si difficiles. Est-ce que je me déhanche assez avant le mouvement d'épaule? On bloque pied en arrière. Je n'ai pas osé te faire la remarque, mais il faut faire onduler tout ton corps. Ici, tu vois. Qu'est-ce que je raconte? Hey, what's up, mes super potes? Rory, t'es devenu la mascotte? Bah ouais, c'est le meilleur moyen de traîner avec tout un tas de filles canons. D'ailleurs, j'ai un ticket avec une superbe déesse blonde. Elle s'appelle Betty. Et elle est à fond sur moi. T'emballe pas trop. Et l'autre, Véronica? Ouais, ça va. Quoi, c'est tout? Je trouve qu'elle a les jambes arquées. Mais Betty, je ne rêve que d'une chose, lui planter mes canines. C'est bon, on a pigé. De la brandade de morue? Sérieusement? C'est dégoûtant, ce truc. Je sais, moi, ce que j'ai envie de manger. Elle était avant toi, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Écoute, tous les jours, c'est la même chose. Décidément, il n'y a pas plus maladroite que vous. Venez, les filles, on a un planning overbooké. C'est l'enfer de traîner avec elle, ça me donne envie de m'enfoncer un pieu dans le cœur. L'étoile, c'est la position la plus importante pour la chorée de demain. Elle doit être absolument parfaite, alors vous devez avoir l'esprit d'équipe. Prête? Allez, donnez-moi tout ce que vous avez. Nous, les forces de la nature, sommes guidés par notre étoile. On a l'air de filles sages, mais on cache bien nos yeux. Jusqu'au bout des doigts. Bravo, les filles. Maintenant, dirais-je plus. Comment j'ai pu accepter de faire ça? Et vous, les gars, pourquoi vous faites ça de votre plein gré? Vous vous débrouillez bien, les filles. Merci. Oh, suis-je bête? Bon, on fait quoi maintenant? Tu veux rentrer? Allez, on y va. Non. Je mangerais bien un morceau, plutôt. À plus tard. Nous, on va dévaliser les magasins. Oh. Nous, les forces de la nature, sommes guidés par notre étoile. C'est drôle. Je sais pas pourquoi, mais cette chanson me donne comme des frissons dans le ventre. J'adore ça. T'es sûr que c'est la chanson et pas ton nouveau petit copain? Ravi de te voir, toi, ma resplendissante Betty d'amour. Oh, mon chéri, tu exagères. Tes copines et toi, vous me bousculiez, vous vous moquiez de moi parce que je mangeais trop. Eh bien, j'ai toujours bon appétit. J'ai juste un régime plus liquide. Erika! Benny,
T'es sûr que c'est des frissons que t'as eu dans le ventre? T'as peut-être juste des gaz? J'ai toujours des frissons pour une bonne raison. Regarde, les forces de la nature, la terre, l'air, le feu et l'eau, tu vois? Les éléments guidés par notre étoile. Oh, c'est pas vrai. C'est pas juste un cri de ralliement. Ça ressemble à une incantation. Nous, les forces de la nature, guidées par notre étoile, on a l'air de filles sages, mais on cache bien notre jeu. On est mal. Alors Stéphanie ne joue pas à la sorcière. C'est une sorcière. Donc la vision que j'ai eue dans le gymnase, c'était pas celle d'Erika, c'était celle de Stéphanie. Et la danse de demain, c'est pas du tout pour encourager les joueurs avant le match. En fait, elle veut voler les âmes humaines de tous les élèves. Erika va avoir un sacré choc. Et Sarah aussi. D'ailleurs, elle dit qu'elle arrive. Sarah se ramène avec Stéphanie et toute la troupe de Pom-Pom Girls pour rendre visite à Betty et Véronica. Il faut payer. Papa et maman ne sauront jamais qu'on a fait ça. Je tiendrai ma langue, mais peut-être qu'ils verront la vidéo sur Internet. Et c'est tout, ok? C'était vraiment trop chou. Ah, vous voilà enfin. Ne soyez pas timides, on s'amuse comme des folles. Le club des super pom-pom girls est en pleine séance. Salut les filles. J'adore ta coiffure. J'adore les réunions des pom-pom girls. Trop cool. Au programme, manucure et pose de vernis. On va se maquiller et manger des glaces. Délire. Oh oui, des glaces. Des glaces à la vanille. Sarah, ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es au courant que Stéphanie est une sorcière? Alors, d'accord, c'est vrai qu'elle se comporte parfois comme une sorcière, mais en fait, elle est gentille. Vous inquiétez pas. Enfin, sauf avec les moches, évidemment. Elle a été ensorcelée, je vois pas d'autre explication. C'est pas son genre d'agir comme une fille. T'as raison. Nous, en revanche, on est des filles. Pas terrible. Bon, alors on fait quoi maintenant? Je sais! Une bataille de pollution! Dis, on n'était pas censé s'occuper d'un truc important, j'ai le coup. Si, toute l'école va mourir demain si on n'arrête pas la sorcière. Demain? Mais c'est dans longtemps, ça. Tu sais quoi? Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Tu penses à ce que je pense? Benny! Benny, réveille-toi! Oh! Oh, quoi? Oh! Oh! Eh bien! T'as des paillettes plein le visage! Qu'est-ce que. Eh vieux! T'as les ongles rouges! Les tiens sont roses! Elles ont profité de moi! Benny, il faut absolument qu'on mette un terme à tout ça! Sinon, on va finir par se retrouver avec du vernis sur les ongles de pied. Alors, plusieurs sortilèges puisent leur énergie dans les cinq branches de l'étoile, le pentagramme. Une branche pour chaque élément. Attends, Stéphanie a dit qu'il lui fallait cinq pom-pom girls. Elle veut utiliser la figure de l'étoile pour s'emparer de l'esprit des gens. Les pentagrammes sont de mauvais augure. Espérons qu'une formule inversée suffira à bloquer le transfert d'énergie. Oui, entrez. Mamie, qu'est-ce que tu fais là? J'avais promis à Jane de lui apporter de la potion anti-fatigue. Et au passage, je voulais vous donner ça. Ah? Des pompons? Ce sont des baguettes protectrices pour le spectacle de tout à l'heure. J'ai entendu les gloussements des pom-pom girls hier soir. Méfiez-vous, les garçons. Ne laissez pas leurs jupettes et leurs queues de cheval vous aveugler. Ces artifices cachent une énorme dose de magie noire très puissante. Cela dit, toutes les pom-pom girls ne sont pas méchantes. À mon époque, d'ailleurs, de toutes les filles de la troupe, c'est moi qui levais la jambe le plus haut. Je me souviens, il y avait une fille qui était prête à tout pour faire partie de l'équipe. Malheureusement, elle n'était pas à la hauteur et était extrêmement jalouse de nous. Je me demande ce qu'elle est devenue. Vous devriez vous préparer. Vous avez du pain sur la planche.
Au revoir, mamie. Merci pour tout. Merci. Waouh. Quoi? Elle était canon, ta mamie. Quoi? Arrête, à cause de toi, je pourrais plus jamais regarder ma grand-mère comme avant. Hé, vieux, regarde ça. Non, ne rajoute pas, j'ai pas besoin de regarder non, ça. Non, non, plus bas, sur la photo du dessous. C'est... Stéphanie? Je crois que Stéphanie et ta grand-mère n'étaient pas super copines. Pourquoi? Lis son mot, on a vu plus sympa. La vengeance est un plat qui se mange froid. P.S. Je te souhaite de passer les pires vacances de ta vie. Ce symbole, je l'ai déjà vu dans mon grimoire. C'est un nœud de trèfle. Il représente... l'immortalité. C'est pour ça qu'elle a toujours l'air d'avoir 17 ans. En tout cas, on peut dire merci à la photo de ta mamie, Canon, et à ses pompons magiques. Tu recommences ? Sérieux, vieux, parle pas comme ça des pompons de ma grand-mère, c'est vraiment trop bizarre. Le moment est venu et la magie est offerte. C'est notre heure de gloire, personne nous arrêtera, personne ne résistera. Nous, les portes de la nature, sommes guidés par notre étoile. On a l'air de pissage, mais on cache bien notre jeu. Garnotte, Verto, Imor. Maintenant, gagnez vite! Subsistorus olini mocnaou! Subsistorus olini mocnaou! Tu balais les ringardos! Ça fait 50 ans que j'attends de pouvoir anéantir cette école et personne ne pourra m'en empêcher! Garnotte, Verto, immortalis! Ça fait rien. Peut-être qu'on le dit mal. Reste pas dans le pentagramme. Je peux pas bouger. Je suis coincé. Dirige les pompons magiques vers Sarah. Joignons nos mains, formons le symbole de l'éternité. Le pouvoir de l'étoile ne pourra pas être repoussé. Sarah, Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qu'on fait ici? Stéphanie est une sorcière. Elle essaie de voler les âmes de tous les élèves. Reprends ta place dans la figure, il faut qu'on finisse la chanson. Et cette chanson-là, tu la connais? Ça commence par... Bien fait! Miam, un buffet froid. Et en plus, c'est à volonté. Ben quoi? Arrêtez, elle manquera à personne. Elle est carrément... Carrément? Vieille, quelle horreur! Mère! Tout ça, c'est de votre faute, vous avez tout fait rater! Pauvre Stéphanie, à l'époque, tout le monde était méchant avec toi, je me rappelle très bien. En revanche, ce que j'avais oublié, c'est que tu ne l'avais pas volé. Bravo, vous êtes la meilleure! Pour moi, c'est fini, les pom-pom girls. Pour moi aussi. Grand bien vous fasse. C'est bien beau, ces acrobaties, mais au final, ça rend les pom-pom mous comme des gants de toilette. Croyez-en une ancienne pom-pom girl. Merci. Stéphanie? Et si elle avait jeté un sort à nos sandwichs? On n'a rien à craindre. Ma grand-mère l'a privée de ses pouvoirs. C'est qu'une vieille dame inoffensive. Oui, mais cracher dans ta nourriture, ça, rien ne l'empêche de le faire. Salut, Rory. On m'a dit que ta copine avait déménagé. Bonne nouvelle. Avant de partir, elle m'a demandé de te remettre cette petite lettre. Mon Rory chéri,
Même courte, notre histoire fut celle d'un grand amour, et je chérirai ce trésor à jamais. Sache que j'ai senti ton côté obscur, et que je l'ai trouvé tout à fait irrésistible. Sois fort, mon petit diable, peu importe ce que la vie nous réserve, tu seras toujours dans mon cœur, ta Betty chérie. Oula!